Coucou tout le monde, c'est j'espère vous êtes bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique donc qui se fait. Vous vous souvenez un peu, il y a quelques jours, et je suis partie en. Il y a 15 jours, je suis partie en vacances. Et là, je suis revenue sur Nevers à depuis samedi après-midi. Et là, on va parler maintenant d'Angèle. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas trop parlé parce que j'étais en vacances. C'est là que j'ai fait une sorte de petite pause pour vous expliquer que. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Angèle. Je vais dire pourquoi Angèle ne dort pas très bien avec ses doudous. Pourquoi Angèle ne dort pas avec ses doudous? Parce que. Elle n'est pas habituée, donc quand elle est petite, à se cacher, puis il faut lui donner monsieur, lui prendre dans ses bras, manger, mais elle a du mal à sentir l'odeur, son odeur. Alors pourquoi Angèle déteste de sentir, Angèle sent l'odeur de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle sent l'odeur du monsieur, l'odeur de la lessive du monsieur. Et elle mettait sous une couchette pour l'aider à s'endormir. C'est compliqué de. Quand Angèle ne dort pas bien la nuit, voilà. C'est compliqué de donner sa tétine. Il y a la peluche avec elle. Pour la consoler, pour éviter qu'elle pleure. Voilà. Nous allons se retrouver un peu plus tard. Voilà. J'espère cette vidéo vous aura plu. Partagez, commentez. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Vous abonnez à ma chaîne, à bientôt pour une prochaine vidéo, vous abonnez, ciao, ciao les abonnés, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.